Welcome les potos, c'est Style du 35, j'espère que tout va pour vous. Ça y est, je vais vous présenter mon équipe du Brésil. Et j'aurai juste un mot à dire, elle est sacrément stylée. On va commencer tout de suite avec le gardien de but les mecs, c'est Diego Alves. Un monstre dans les buts, voilà, je me régale avec, c'est un mur. Voilà, son style c'est mur, c'est ça. Défenseur central, Miranda avec la carte Sentinelle, il est énorme. Mon deuxième défenseur central, David Luiz, toujours la carte Sentinelle, c'est un monstre, ils vont super bien ensemble. Défenseur droit, les mecs, Danilo, il est énorme, ses montées sont phénoménales. On va tout de suite passer au défenseur gauche avec Felipe Luiz, avec une carte Gladiateur. Il est énorme sur son côté gauche, c'est pour ça que j'ai choisi milieu central. Alors là, par contre, c'est Hermanès avec une carte Maestro, les mecs. Il a 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de gestes techniques. C'est un monstre. Il est à la fois passeur, buteur. Il est énorme, les mecs. Milieu central, mais à droite, Douglas Costa. 5 étoiles de gestes techniques. Fou, vitesse 90, une petite carte Vista. C'est une bête. C'est une bête, les mecs. Je vous dis franchement, c'est une bête. Vous aimez ce qu'il est, ce joueur est fait pour vous. Voilà, milieu central côté gauche, Felipe Coutinho. Alors lui, il est phénoménal. C'est une carte fracassante les mecs. 4 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de mauvais pied. Il fait des dégâts, c'est un monstre. Buteur. Alors là aussi, c'est quelque chose. Regardez sa carte, il est canonnier. 88 de vitesse, 86 de dribble. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de gestes techniques. Alex Teixeira, c'est de la boucherie en attaque, les mecs. De la boucherie en attaque. Et pour l'accompagner, bon, ailier gauche, oui, je sais. C'est pas Neymar, j'avais pas les moyens de me le payer. Mais Felipe Anderson, 92 de vitesse, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de gestes techniques, 85 en dribble. C'est un tueur à gage, les mecs. Sur son côté gauche, c'est un tueur à gage. Frappe de loin, long shot, c'est un monstre. Précision, c'est un monstre. C'est une bête, les mecs. Et pour l'accompagner, qui de mieux? Ok, il a fallu casser un peu la tirelire, mais qui de mieux pour l'accompagner que ce monstre de Hulk? 85 en vitesse, 87 en tir, 81 en passe, 86 en physique, 82 en dribble, 4 étoiles de gestes techniques. C'est un monstre. Avec une petite carte chasseur, les mecs, il brise des reins. C'est un truc de malade. Voilà, c'est un truc de malade. Et moi, avec, je me régale. Regardez cette équipe, les mecs, elle a vraiment une belle gueule. Elle est phénoménale, je vous la conseille. Vous l'avez à peu près, ces temps-ci, à peu près. Allez, moins de 150K. Je pense qu'à moins de 150K, vous avez cette équipe. Mais qu'est-ce qu'elle vaut sur le terrain, les mecs? On va aller voir ses points forts. Et on va commencer par la défense et le gardien. Alors lui, Diego Alves, regardez-moi ça. Il est là, il est présent, il fait des claquettes, des parades. C'est un mur. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un mur, les mecs. Les quatre défenseurs que je vous ai présentés, attention, ça fait vraiment très très mal en défense. Avec leur petite carte sentinelle, regardez, Miranda, Felipe Luiz, et les contre-attaques sont phénoménales. Mais on va en parler un peu plus tard. Danilo, regardez Danilo, défenseur droit qui s'échappe complètement sur le côté droit après une interception. Ça va pour vous, dommage. Regardez ça. Il croit pouvoir rentrer tranquille, mais là, qui c'est que la petite tête de Miranda, Felipe Luiz qui dégage, et toujours les contre-attaques. Aïe, 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 les mecs. C'est un régal, regardez ça. Pouah. Surprenant ou pas, David Luiz, il a une bête de frappe. Je vous conseille de tirer avec. Et là, nous allons passer aux contre-attaques, les mecs. C'est ce qui m'a marqué le plus avec cette équipe. Regardez-moi les contre-attaques de folie. Regardez-moi ça. Des contre-attaques phénoménales avec ces joueurs qui sont juste exceptionnels. Une rapidité technique, une facilité. Alors des dribbles, je vous en parle même pas. Des long shots, je vous en parle même pas. Regardez-moi ça, la facilité à se balader entre les défenseurs, à se créer des occasions, à mettre des frappes de loin, même si celle-là n'allait pas rentrer, les mecs. Il y en a d'autres, je vous le dis, regardez ça. Regardez ça, défense impeccable, on se dégage, et là, regardez ça, nouvelle contre-attaque, Felipe Luiz, Douglas Costa, Hulk. Regardez ça, Hulk, petite passe pour Teixeira qui est parti, mais pleine balle.
Il y a plus qu'à finir, les mecs. C'est de la boucherie, c'est de la boucherie. Je me régale avec, je vous dis, je me régale avec. C'est une équipe de tueurs. Je vous la conseille vivement. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Vous aimez la rapidité, la vitesse, la précision. Casser des reins. Mais elle est faite pour vous. Et voilà. Mes adversaires en rage quitte, les mecs. Regardez ça. Interception. Coutinho est derrière. Ça va super vite. Douglas Costa. Philippe Anderson qui la remet pour Douglas, qui lance en profondeur Hermanez, et Hermanez du pied droit. Ça marque, ça foudroie. Une attaque de tueur, une défense en béton, des milieux extraordinaires, des attaquants en folie. Regardez ça les mecs, on se balade dans la défense. Philippe Anderson qui claque encore un but. Regardez ça, c'est de la boucherie. Nouvelle interception de Coutinho. On la remet à Philippe Anderson. Pour Hulk, une touche de balle pour Texera qui est lancé, il est lancé, mais oui, son gardien il est dépassé, les mecs. Petite passe, Hermanez, pied gauche, et deux pieds, il est fort des deux pieds, on en profite, regardez ce but encore, fou, cette facilité, c'est un régal, les mecs, je me régale avec cette équipe. On repart du gardien de but, Philippe et Luis, tranquille. Philippe Anderson, Coutinho, tout ça c'est une touche de balle, Hulk, Douglas Costa pour Hulk, Hulk qui a le ballon, Hulk, mais je vais tenter, mais oui je tente, long shot, ok il est raté, mais ça arrive aussi, ça peut arriver, mais regardez derrière, tout de suite on est présent, Coutinho, Texera, Philippe Anderson, regardez cette frappe, à l'entrée de la surface de réparation, ça fait mouche les mecs, c'est de la dinguerie, je vous dis c'est de la dinguerie. Maintenant, on va parler de ce spécimen. Ok, il réussit pas tout. Mais alors, je tente énormément de choses avec. Et franchement, même quand c'est cette frappe, regardez cette frappe. Même quand ça tape la barre, putain, je me dis, c'est du régal. Mais il tape pas que des barres, hein, je vous rassure quand même. Il est là et puis... Il est là, regardez ça, d'une facilité, des dribbles énormes. Ouf. Et il s'est aussi marqué, les mecs. Il s'est aussi marqué. Regardez ça. Finition, il est énorme. Il laisse aucun espoir à la défense adverse. Il arrive, il mitraille. Ça fait des buts et des buts et des buts et des buts. Et regardez celui-là, les mecs. Regardez, je voulais voir ce qu'il a vraiment dans le bide. Regardez ça. Il part de notre camp, les mecs. Et regardez ce travail, je vous laisse admirer. Oh ouais. Inarrêtable, les mecs. Inarrêtable. C'est pas du tout droit, je me suis dit je peux faire des passes. Non, j'ai voulu vraiment voir ce qu'il avait dans le beat et regardez-moi ça. On part de notre défense, les mecs. On part de notre milieu de terrain, les mecs. Regardez ça. Et vas-y que je te petite samba derrière, tranquille. Il peut se permettre. Regardez ça. Voilà, les mecs, j'espère que ça vous aura plu. C'est une équipe de tueurs, n'hésitez pas à vous la procurer. Elle fait des ravages. C'était Style du 35, portez-vous bien. À très 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 vite. Kenavo. Blah.